Salam alaikum, salam, bonjour, j'espère que vous allez bien, que tu m'as connu. J'espère sincèrement que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, un petit haul. Haul parce que j'ai acheté pas mal de choses ces derniers jours. Il y a une semaine, j'ai fait pas mal de folies. C'est vrai, on va commencer tout d'abord par mes achats chez Primark. Vous savez, j'avais fait une vidéo sortie en famille au centre commercial de Lyon. Et ben, il y avait Primark, bien sûr. Je suis vite allée et j'aime beaucoup ce magasin. Nous, on l'a pas où on habite, dans notre commune, on a le magasin. On n'a vraiment pas ce magasin. C'est pour ça que j'étais très enthousiaste en fait de rentrer dedans et d'acheter des vêtements et tout. Ouais. Voilà tout. J'ai retrouvé tout d'abord ces boots à 8 euros, bien sûr avec la fourrure à l'intérieur. Moi, je les ai achetés parce que des fois, c'est pas des fois, c'est tout le temps, on est pressé pour aller récupérer ses enfants à l'école. Et c'est le truc à mettre, quoi, et vite aller chercher ses enfants. C'est pour ça que j'ai pris 8 euros. Franchement, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas cher. Et moi, je suis chose du 41. J'ai été étonnée parce que du 40 m'allait, c'est un peu même un peu large. Mais j'ai pris quand même parce que j'ai essayé le 39. J'aime pas être serrée non plus. Et je me suis dit, avec cette période hivernale, on va mettre des chaussettes. Alors, il faut prendre un peu plus grand. Ensuite, pour ma fille, je lui ai trouvé cet ensemble. J'aime bien parce qu'en fait, comment dire, c'est molletonné. On peut dire ça comme ça, molletonné. Voilà, à 6 euros, franchement, ça va super bien avec ce froid. C'est très bien. Aide l'ensemble, madame. Masron au Saraha 6 euros, ça va. Un bonnet parce que pour aller avec ça, en fait, ce que je fais, c'est que je mets mon foulard et par-dessus, je vais vous le montrer. Bon, là, je mettrai du noir hein, parce que rose, couleur camel foncé comme ça. Voilà tout. Ouais, je suis assez fragile en fait quand il fait froid. J'ai pris un legging, j'ai pris parce que vu le prix 3,50 € il n'y a pas longtemps, j'en ai pris un. Je crois que c'est celui que je porte là chez Kiabi. Je l'ai pris à 7 euros le prix de deux. Voilà, j'ai pris une veste, mais là mon fils l'a mise parce que là on est vendredi et moi j'y suis allée jeudi dernier, jeudi de la semaine dernière. Et j'ai pris une veste 25 euros à mon fils. Une veste rouge. Et puis voilà. Bon, après, j'ai d'autres achats, mais c'est les achats de mon mari. Je montre les miens, pas les siens. J'ai pris un autre bonnet. Attendez, je vais aller vous le montrer. C'est celui qu'on voit en fait sur la vidéo. Ouais, c'est lui qu'on voit dans la vidéo. J'ai trop aimé. Et franchement, c'est surtout. Vous m'avez déjà vu aussi avec sur Instagram. Vendredi dernier d'ailleurs. Voilà, il tient bien parce que j'en avais un de camailleux, celui de l'année dernière. Et il glisse et à chaque fois il remonte, il remonte, il remonte. Que celui-là, non, il reste bien en place. Et c'est ce qu'il faut, c'est surtout pour se protéger. Niveau esthétique, je m'en fous. Pour pas dire autre chose. Et avec le petit pompon, ça fait mignon. Et franchement, oui, quand il fait froid, même avec un foulard, c'est assez fin. Je mets ça, mon foulard, je mets un bonnet, ça me va très très bien. Ensuite, avant de passer au hall action, je voulais vous parler. Je voulais faire ça, c'est vrai qu'il y a un petit moment, mais c'est juste que j'ai été prise par le temps, par cette boîte à message de chez. Zut, comment il s'appelle le magasin? Je confonds tout le temps. Zut, c'est pas Zeman, non. Stokomani. Deux fois je dis Stokomania, mais ça me dit, mais non, c'est Stokomani. Je sais pas, ils ont tellement de noms. Voilà, j'ai pris ça. Ah, c'est dommage, ça va être à l'envers là. Voilà tout. C'est écrit bien sûr amour et bonheur avec un cœur.
Voilà, qui s'allume. Ça marche avec des piles pour celles qui ne connaissent pas. Voilà tout. Moi, j'ai juste un petit pic. J'avais un petit vis là, il s'est enlevé. J'arrive pas à le retrouver. Faut que je retrouve si j'ai un petit vis comme ceci. 3,99 €. Franchement, je trouve ça vraiment, vraiment pas cher. Voilà. Avec bien sûr un intérieur. Je vais vous montrer. Avec 82 lettres et symboles. Des lettres, des chiffres et des symboles. Allez, let's go, yalla, مشيو للاكسيون دابا. اكسيون اللي كتحمقني وكتسطيني باسكو شاك فوا كنمشي ما كنلقاش هادشي اللي كنمشي لا قبله. C'est-à-dire, j'y vais pour un truc et je repars avec d'autres choses. Mais ça, c'est normal, hein, de toute façon, hein, nous les nanas. Mais j'y vais pour acheter les plateaux en miroir, là. Et je trouve pas, j'y trouve jamais, jamais. Mais bon, j'ai trouvé pas mal de choses. J'ai trouvé cette carafe avec quatre verres, avec le bouchon en liège. Je l'ai prise aux alentours de 6 euros, il me semble. Ce qui est bien, c'est que c'est une carafe d'un litre. Et surtout que elle est vraiment pas chère parce que à Ikea, elle y est. Mais elle est beaucoup plus chère. Et je sais même pas si elle a le bouchon en liège chez Ikea. Voilà, avec quatre verres comme ceci. C'est dommage qu'il n'y en a pas 6. Mais bon, nous on est quatre. Alors c'est très bien. Et il faut pas une personne en plus. Non, j'ai pris. Je suis en train de faire tomber mes achats. J'ai pris ce plat à trois compartiments. Voilà. C'est pas mal. Au lieu de mettre séparément, ça aussi, c'est pas mal. Il me semble que j'ai pris à 1,77 €. J'ai pris cette grande bonbonnière. Bonbonnière. J'aime trop en fait. Oui. Elle est magnifique. Franchement, à pied comme ça, elle est super belle. Je l'ai pris à 5,99 €. Je trouve ça vraiment pas cher. Parce qu'il y a d'autres magasins où c'est beaucoup plus cher. Puis à chaque fois, à cette époque-là, pour Noël, vous les trouvez dans les grandes surfaces telles que Leclerc, Carrefour, et beaucoup plus cher. C'est pour ça là, à ce prix-là, franchement, il venait de les poser, j'ai sauté dessus. J'ai pris ces cuillères apéritif à 1,29 €. Enfin, attendez, je vais essayer de voir si j'ai mon ticket de caisse. Je pense plus. Mais les prix, oui, c'est 10-20 centimes. Entre 10-20 centimes, plus ou moins. Mais il me semble que j'ai pris 1,29 € ou 19, quelque chose comme ça. J'ai pris deux paquets. Voilà, parce que 6, ça ne me suffisait pas. Et franchement, quand je suis rentrée à la maison, je me suis dit, j'aurais dû prendre aussi un troisième. J'ai pris ces boîtes-là. Boîtes de rangement. À chaque fois, je les vois, en fait. Et je n'avais jamais fait attention. C'est des boîtes vraiment pas chères, à 32 centimes. Et je vais vous dire, j'ai vu ça chez qui? J'ai vu ça chez Zinidou, qui est une youtubeuse aussi. Je vous invite à aller la voir. Sincèrement, c'est une superbe nana. En plus, on n'est pas loin l'une de l'autre. À peu près 40-50 km, quoi. Mais ça fait moins d'un que d'autres personnes, peut-être. Et j'ai vu en fait qu'elle avait ça dans ses placards. Elle a un placard, il me semble, de pâtisserie, tout ça, où elle met pas mal de choses, de ses ingrédients. Et c'est vrai que moi, je cherchais des boîtes, mais je passais tout le temps devant et j'avais jamais fait attention. Et quand j'ai vu, j'ai dit, mais attends, c'est pas les mêmes boîtes que Zinedo, ça? Et je me suis dit, ah ouais, c'est bien quand elle a bien mis séparément comme ça. Et ben, parce que moi j'aime, mais en fait c'est tout dépareillé, tout ça. Et c'est vrai que moi je me suis dit pourquoi pas commencer. Et ça fait un moment puisque j'ai ça en tête, c'est juste le temps, c'est l'excuse quoi. Et je me suis dit, ben ouais, pourquoi pas faire un jour une vidéo rangement placard, vous montrer le avant et après. Et j'ai pris ça à 32 centimes pièce avec le couvercle, hein. Voilà, c'est pas comme Ikea où ils vendent la boîte toute seule et le couvercle. Parce que Ikea, oui, c'est très joli, les prix, ça va aussi. Mais des fois, il faut arrêter avec leur prix. Et dire le boîte à 1 euro, ou le couvercle, 1 euro de série. Ou ça en a 2 euros. Les perles de pâtisserie. Tiens,
Donc elle me vient bien bizarre parce qu'elle étudie les gâteaux, les cupcakes et tout. Mais aussi, j'ai pris des caissettes. J'ai pris deux tailles, alors 5 cm. Et l'autre, je crois, c'est 6. Bien sûr, je n'ai pas enlevé. Hein. Voilà. Non, attendez, je vais vous dire ça. Ouais, 6. J'ai pris ça. Moi, j'aime beaucoup. Bah, je vous dis, ouais, je fais pas mal de gâteaux. J'aime bien le fait maison. Le fait maison, moi, c'est... Voilà, j'ai pris cette coupe œuf à 79 centimes à peu près. Ouais, moins de 80 centimes, quoi. Voilà tout. J'ai pris des graines de chia. Ça a coupé, je reprends. J'ai pris des graines de chia que je vais mettre en fait ou dans du pain ou dans d'autres préparations telles que des salades. Vous pouvez mettre ça franchement dans plusieurs préparations aussi pour votre petit déjeuner. C'est très très bon pour la santé. J'ai pris ça à 1,25€. J'ai trouvé des abricots secs. Pareil, franchement pas très cher. Moins cher que d'autres magasins. J'ai pris du nougat. Mais c'est en rentrant à la maison que j'ai vu que c'était à la cacahuète, c'est pas grave. Je vais mettre ça en fait, je vais décorer pour mettre sur ma table parce que j'ai d'autres idées aussi pour les fêtes, Inch'Allah. C'était ouais, plus par gourmandise, c'est surtout pour décorer ma table pour les prochaines vidéos. J'ai pris les bougies, puisque mon fils a son anniversaire la semaine prochaine, Inch'Allah. J'ai pris un set et j'ai pris une bougie musicale. Voilà, j'essaie à chaque fois de prendre des articles. Hein, je sais qu'il va avoir un événement, quelque chose. J'ai pris ce spray désodorisant. Je vous avais déjà montré dans mon précédent haul action que j'avais pris le spray pour nettoyage. Sincèrement, c'est une tuerie. C'est une tuerie. J'aime trop l'odeur. C'est pas très cher. Attendez, je vais vous dire. Et franchement, j'aime beaucoup. Et le spray, je l'utilise tout le temps. Je ne l'ai pas retrouvé là cette fois-ci. J'ai trouvé que le désodorisant. Et les sprays nettoyants, je nettoie tout avec mes chaises, les tables, les petites tables de salon aussi. La dernière fois, j'ai nettoyé la salle de bain avec ma gazinière. Ça part super bien, les tâches, tout ça. Et je vous le conseille. Oui, vaporiser dans l'air, sentir. Franchement, moi, je trouve qu'il a une très, très bonne odeur. Et coucou à Sarah Family, qui a une chaîne YouTube aussi. Elle l'a montré, elle l'a pris en spray comme ça, désodorisant. Et elle a pris aussi produits ménagers. Et ça m'a fait rire parce que le jour où j'ai vu sa vidéo, et ben c'est le jour même où je venais d'acheter en fait ce spray-là. Et puis voilà, je fais un gros coucou à toutes mes copines YouTube. Moi, je peux pas donner tous les noms non plus, mais il y en a tellement et que j'apprécie énormément qu'on est devenus vraiment des amis. Je vous fais de gros bisous et sincèrement, je vous aime très très fort. Voilà, ma vidéo d'aujourd'hui est terminée. J'espère que mes achats vous ont plu. J'essaie en train de me dire, mais est-ce qu'il n'y a pas un truc que tu as enlevé, que tu as arrangé tout ça? Non, normalement, c'est tout bon. Voilà tout, là c'est vraiment tous mes achats. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de liker. Hein. Dès que vous vous appuyez pour regarder la vidéo, likez directement pour ne pas oublier. Commentez, ça me fait toujours plaisir, sincèrement, que vous commentez, que ce soit bon ou mauvais. Hein. La critique est aussi constructive. Je vous fais de gros bisous. À bientôt, Inch'Allah. Prenez bien soin de vous avec cet hiver-là, bien hiver-là. Couvrez-vous comme ceci. Et à bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.